Salut tout le monde, c'est Marie et Léa et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir notre chaîne de Daily Vlog. Alors on postera des vidéos tous les jours, plus ou moins, et comme ça vous pouvez suivre notre vie comme si vous étiez avec nous. Bon bah nouvelle journée. Bah ouais. Là on va aller à Timomo. C'est une boutique de fringues très sympathique. Nous revoilà pour une nouvelle journée bah avec nous, logique. Et on est en train de promener le chien qui fait un peu sur la laisse, qui fait un peu n'importe quoi, ma pauvre. Ouais. Et donc ce soir on va chez toi. Ouais. Voilà. Et on va regarder les nouvelles aventures des princes de l'amour en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et moi je suis pour Joël. Et moi pour Christopher. Non, regarde, tu vois, c'est Christopher qui a pécho. C'est lui qui mérite. C'est qui l'a pécho. Qui est tout, ça va, elle est mignonne. Ouais, c'est un bon. Regarde, Joël, il est cool, il m'a pété. Christopher avec son sourire de merde. On est tous bons, on essaie. On quitte la villa, direction le casting de modèle. Il y a une prise d'otage au Bataclan. Enfin, il y a des morts apparemment, il y a des gens qui ont entendu des coups de feu. Non, c'est une blague. Si, il y a des gens de Twitter qui en parlent. Ah, putain. Est-ce qu'il paraît qu'il y a une fusillade dans le 10e et dans le 11e? Oh putain, c'est pas le temps de filmer ces conneries. Bon bah, ça a fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais la situation ne le permettait pas. Ça fait un mois que le président a instauré une dictature légale et que la Syrie a déclaré la guerre. À cause des bombardements perpétrés par la France. T'as entendu parler des groupuscules anarchistes qui estiment que la dictature n'a pas lieu d'être et qui, par conséquent, ont fait plusieurs prises d'otages et ont attaqué toute personne qu'ils considéré comme allié au gouvernement, dont beaucoup de journalistes. Ouais, ça me dit un truc, mais ils sont beaucoup dans la région, non? Ouais, c'est ce que disent les médias. Dis, ton frère devrait pas être rentré? Le couvre-feu est tombé depuis une heure déjà. C'est... Il devrait pas tarder. Ça fait 2 semaines maintenant que les alertes à la bombe se déclenchent toutes les nuits. Qu'on dort plus. Qu'on ne vit plus. Putain de merde. Les bombardements atteignent rarement les coins éloignés du centre-ville et ça dure rarement plus d'une heure aussi. Donc on reprendra cet enregistrement quand ce sera fini.
C'était normal, ça. Tu leur donneras ça. Ça leur fera plaisir. Thank you.